En guise de protestation, une tambouille bleue aux plumes. Pour qui ? Bien sûr. L'activité manif du vendredi après-midi a au moins un bénéfice pour les enfants. Tous savent qui est Jean-Claude Gaudin. C'est le maire qui a pas mis les activités. Cette fois, en plus, des parents, des enseignants, du personnel municipal et des animateurs en grève sont venus manifester. Alors que la garderie devait être mise en place dès ce vendredi, plusieurs syndicats estiment que la sécurité des enfants n'est pas assurée. Dans la garderie, on peut se retrouver avec 150 enfants et deux animateurs. C'est pas possible. Pour les parents, la priorité, c'est la mise en place d'activités périscolaires de qualité. C'est ce que sont venus demander ces manifestants d'un arrondissement défavorisé. L'essence de la réforme, au départ, c'était de permettre l'accès à certains enfants qui n'avaient accès à rien, de pouvoir faire des apprentissages autrement, ce que beaucoup de parents dans le 3e n'ont pas la possibilité de faire. Et c'est pas ce qui se passe du tout. Donc on est extrêmement en colère parce qu'on nous avait promis beaucoup de choses et finalement, il n'y a rien. Aucune délégation n'a été reçue aujourd'hui par la mairie. Parents, personnel et animateurs ont prévu de reconduire le mouvement vendredi prochain.